Vous écoutez la story, issue de l'épisode S506 du podcast Faut pas pousser les ISO, diffusé le jeudi 20 octobre 2022. Philippe Séclier, bonjour. Bonjour. Vous sortez un livre aux éditions, donc à l'atelier EXB, Magnum Photo 75 ans. Et dans ce livre... Vous parlez de photos sans les montrer, enfin, du moins directement, ce qui est un pari assez osé. Comment vous est venue cette idée et comment vous l'avez mûrie Alors, d'abord, l'idée, c'est une idée commune. Euh, elle vient de Julien Friedman, qui était alors directeur de l'agence Magnum à Paris, et de Xavier Barral, euh, avec qui je collaborais déjà en 2006. Il s'agissait à l'époque, en fait, de faire justement une espèce de petit livre, mais qui n'était pas diffusé en librairie, pour les 60 ans de l'agence. L'idée, c'était donc effectivement de raconter une histoire par année et au moins une par membre de l'agence. Je dis bien membre, c'est-à-dire que euh, vous le savez, euh, à Magnum, on est d'abord nominé, on est ensuite associé, au bout de deux ans et au bout de deux ans supplémentaires, on devient membre. Donc l'idée, c'était, depuis 1947, à l'époque, jusqu'à 2007, de raconter un peu les petites histoires de la grande histoire du XXe siècle, évidemment, et de celle de, de Magnum. Donc voilà, le, pr le principe du livre, il est là, avec, en termes de maquette, ce qu'avait fait Xavier, qui était euh, vraiment une idée géniale, c'est-à-dire qu'effectivement, on ne montre aucune photo, euh, on parle... Des histoires, des photographes sans montrer de photos. Mais la nouveauté avec ce livre qui est diffusé enfin en librairie, c'est que justement, on propose au début et à la fin euh, du livre, euh, sous la forme d'un dépliant, euh, la photo qui correspond à chaque histoire. On voit en effet donc ces photos sur ce qu'on appelle les pages de garde, hein, qui sont les pages de couverture. On peut les déplier et du coup, par année, on peut les identifier par rapport au texte qu'on a lu. Alors les, les connaisseurs hein, ou les gens qui ont déjà vu ces photos, parce que beaucoup d'entre elles sont évidemment connues, pourront de même remettre les noms sur ces photos-là. Je trouve quand même c'est très audacieux aussi de votre part, et, et je me demande comment vous avez réussi à avoir l'accord de Magnum pour ne pas mettre directement les copyrights, parce que on touche un peu au sacro-saint de, de la photographie quand on touche aux photos de, de, de l'agence Magnum. Ça, ça ne leur a pas posé de problème. Alors, on précise aussi qu'il y a les légendes et les, et les copyrights plus loin, mais c'est une sorte, tout, tout cela est un petit peu morcelé. Oui, mais c'est une façon aussi de dire que cette agence, c'est d'abord un collectif. Euh, certes, chaque photographe a le droit de s'exprimer comme il le veut et, et l'histoire de Magnum est remplie d'histoires où, où chacun essaye à un moment de, voilà, de se mettre en valeur, c'est normal. C'est un travail personnel, mais c'est avant tout aussi un travail collectif, l'histoire de cette agence. Et donc, il n'y a pas eu de problème pour euh, obtenir de la part des photographes. Et d'ailleurs, je peux le préciser aussi, euh, tous les photographes vivants, malheureusement, il y en a un certain nombre qui sont décédés, mais tous les photographes vivants ont validé à chaque fois les choix qui ont été effectués, euh, entre autres, euh, par moi. Et à l'aune de tous ces textes, de, de ces images, d'ailleurs, comment est-ce que vous définiriez le, le rôle et la, la fonction de Magnum depuis 1947 et sa création, son évolution au travers des, des décennies jusqu'à aujourd'hui? Alors, plutôt que de rôle, effectivement, je parlerai d'évolution. On, on peut, en gros, pour schématiser, classer ces 75 ans en quatre périodes. La première période, c'est la construction, avec autour des photographes historiques. Hein. L'agence, vous le savez, a été créée par Capa, Roger, Cartier-Bresson. Ainsi que deux autres personnes qui sont évidemment moins importantes, Vandivert et puis Maria Esner. Mais en gros, voilà, Capa, Roger, cartier bresson sont là, rejoints très vite par des photographes comme Bischoff, comme Ernst Haas. Ça, c'est la partie historique. C'est la construction. Ensuite, je dirais qu'il y a une période d'extension. On fait appel à d'autres photographes qui viennent grossir finalement l'agence. Cette période peut aller en gros jusqu'à, euh, on va dire, 70, 80. Hein. Là, il euh, n'y a pas encore, en tout cas dans les années 50-60, il n'y a pas encore la télévision. Euh, donc euh, l'agence Magnum est l'une des plus réputées au monde, si ce n'est la plus réputée, avec les signatures qu'elle a. Et donc, euh, tout roule. Après, ça devient un peu plus compliqué. Il y a des problèmes financiers, d'ailleurs, qui vont subvenir, parce que la télévision est là et c'est une grosse concurrence l'évolution va venir et va provoquer, ça, c'est la troisième période, on va dire, elle va provoquer, à partir des années 80-90, un peu de tension, un peu de scission aussi. Un exemple, bah, c'est l'arrivée, et on en parle de ce livre, évidemment, c'est l'arrivée, et euh, qui a fait débat, de Martine Parr. C'est l'arrivée oui. des coloristes, si vous voulez, pour simplifier. Et notamment, l'un d'entre eux, qui est le plus clivant, c'est Martine Parr. Au niveau français... Quelqu'un comme Raymond de Pardon, qui vient du reportage, qui vient de Gamma, qui rentre à, à Magnum en 78, avec sa correspondance new-yorkaise, avec son livre notes, va provoquer aussi des débats. Et puis, la quatrième euh, période, qui euh, court, on va dire, depuis euh, fin 90, 2000, c'est une période d'expansion. Et quand je dis d'expansion, c'est, je pense surtout à une expansion géographique. Jusqu'à présent, si vous voulez, là encore, pour schématiser, il y avait des photographes anglo-saxons et il y avait des photographes latins. Là, on arrive à partir des années, donc du milieu des années 90, avec, euh, avec le photographe japonais Kubota, et ensuite avec des photographes qui viennent d'Afrique du Sud comme euh, Suboski, euh, qui viennent euh, d'Iran, qui viennent euh, d'Australie comme Trent Park, qui viennent de pays un peu plus, on va dire, euh, décentrés par rapport à, 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 ce, à cet Occident qui, qui, qui formait. Euh, l'ossature de Magnum, voilà, il y a cette expansion qui est accompagnée, il faut le dire, et heureusement, il était temps, évidemment, de renfort de femmes photographes. Oui, parce qu'on ne voit euh, pas beaucoup ont... de femmes. Hein. Je, je, je vous coupe. Alors, quand on regarde les crédits, bon, dans, dans toutes les années auparavant, bon, a, on voit pas énormément de, de femmes à, à Magnum. Aujourd'hui, il y en a beaucoup plus. Hein. Puis il y a Alexandra. M Seligetti, alors la première, je, je me souviens plus d'une année exacte, mais je crois que c'est dans les années 60. La première femme qui rentre à Magnum, c'est Inge Morath en dehors du fait que Maria Esner et Rita Vandivert ont été, les, mais elles n'étaient pas photographes, ont été les, les premières présidentes de Magnum parce que euh, Kappa, Roger et Cartier-Bresson étaient sur le terrain et que de toute façon, ils n'avaient pas le temps de s'en occuper. Mais il faut attendre effectivement, je crois, euh, le début des années 60 pour voir euh, Inge -Morath rentrer. Dans la foulée, il y a aussi Eva Arnold, Marine Silverstone, mais qui va très vite verser dans le bouddhisme et qui n'est pas, pas très connue et qui n'a pas non plus fait énormément de photos. Mais voilà, il faut attendre après de plusieurs décennies pour trouver, évidemment, Suzanne Meselas. Mmh. Mais c'est seulement depuis ces deux dernières décennies, effectivement, que des femmes photographes comme Alessandra Sanguinetti, comme Olivia Arthur notamment qui va devenir en plus la première présidente photographe en 2020 euh, de Magnum. Donc, euh, vous vous rendez compte, il a fallu en gros attendre 60 ans, 70 ans avant que tout ça bouge. Bon, il n'y a pas la parité, hein, je, malheureusement, euh, à Magnum, mais il y a beaucoup plus de femmes photographes et qui ont énormément de talent. Euh, et il faut savoir aussi, parce qu'on n'a pas pu en parler, évidemment, euh, étant donné qu'on évoquait avant tout les, les membres de les… De l'agence, mais il y a aussi de nouvelles femmes photographes qui sont rentrées comme, comme associées ou comme dominées, et qui ont énormément de talent et qui viennent de différents horizons, euh, là encore, euh, Espagne, euh, euh, Asie, euh, etc. Et vous, vous avez évoqué tout à l'heure, euh, parmi les textes, les correspondances de Raymond Depardon en 1981 depuis, depuis New York, et dans ce texte, c'est assez. Euh... C'est génial. On, on, il exprime son envie de faire des photos à la chambre dans une de ses notes. Et quand on voit son travail aujourd'hui, euh, on se dit qu'il y avait un petit côté un petit peu prémonitoire. Est-ce que vous, parmi toutes ces anecdotes ou tous ces textes que vous avez sélectionnés, avec les membres, il y en a qui vous tiennent plus particulièrement à cœur ou est-ce qu'il y a des choses que vous avez apprises d'ailleurs en faisant toutes ces recherches qui vous ont surpris peut-être? Bon. Alors, euh, apprendre des choses, évidemment que oui, quand vous vous plongez pendant quatre mois, cinq mois, et, et là avec deux mois de plus dans l'histoire de Magnum, c'est effectivement incroyable de, de voir dérouler tout d'un coup devant vos yeux, à travers des documents, des archives, des photos évidemment, mais aussi des écrits. Il y a eu tellement de livres qui ont été publiés sur l'agence Magnum que, que je peux vous dire que quand vous vous y plongez, euh, voilà, c'est un défilé incessant d'histoires, de, de petites histoires, de grandes histoires. C'est difficile de, c'est pas pour vous répondre, hein, mais pour ne pas vous répondre, mais c'est difficile d'en sortir une plus que d'autres parce qu'en en fait, euh, chaque, finalement, on pourrait faire aussi un livre euh, sur chaque photographe et il y en a certains qui évidemment ont eu des monographies de publiées, hein. mais c'est très impressionnant de voir comment surtout l'histoire d'abord du XXe siècle euh, se déroule devant nos yeux à travers cette agence et, et maintenant comment cette histoire se poursuit avec le XXIe siècle et l'agence étant toujours au cœur des événements. Moi, je suis frappé de voir par exemple comment euh, euh, voilà le, le, le la question de, de, de la migration des migrants est traitée aussi par des photographes de Magnum qui sont beaucoup moins connus euh, que ceux auxquels on a l'habitude de se référer. On le voit aussi, par exemple, avec les événements depuis 2011 euh, dans le monde euh, euh, arabe et euh, au Proche et au Moyen-Orient. Tous ces événements, et je ne parle même pas de la guerre en Ukraine, puisque depuis 2014 et même avant d'ailleurs. 2008, mais, mais surtout depuis 2014, avec, euh, vous vous souvenez, euh, le soulèvement euh, à Kiev. Mmh. Euh, Magnum bien. est là. Mmh. Magnum est là. Les photographes de Magnum sont là, et c'est ça qui est, qui est, qui est extraordinairement euh, euh, riche euh, d'émotions, euh, d'actions et évidemment de, de photographie, euh, parce que euh, dès que l'événement euh, Planétaire est là, les agences, euh, évidemment, et celles de Magnum en, en premier, sont là. Mais il faut aussi reconnaître que euh, certains photographes ne vont pas tous sur les zones de conflit. Fort heureusement, euh, qu'il y a une façon aussi maintenant, je trouve, et ça c'est ce qui, ce qui m'a marqué en replongeant dans les archives depuis euh, depuis 2007 mais qui lie aussi à l'évolution euh, à la fois de la société et de la photographie, il y a beaucoup plus une part existentialiste, mmh. il y a beaucoup plus une part subjective, il y a beaucoup plus une part, comme en littérature d'ailleurs, d'autofiction. Euh, il y a euh, des photographes, euh, notamment euh, des photographes qui viennent de, de l'asie ou de l'inde, euh, qui euh, traitent des sujets très personnels liés soit à des histoires personnelles, soit à des histoires qu'elles ont vues ou qu'elles ont connues et qui font référence effectivement à des choses qu'elles auraient pu, oui, trouver dans, dans, dans chacune de ces familles-là. Et donc c'est ça qui est étonnant et c'est cette diversité qui fait encore la force de Magnum, même si évidemment il faut le souligner. Voilà la, la difficulté maintenant pour les agences face à la télévision mais pas seulement face aussi à la gratuité d'internet et face aux difficultés de la presse également liées au manque de publicité fait que bah, c'est très difficile maintenant pour l'agence de, de vivre de survivre et cette diversité est une force euh, qu'il faut aussi souligner euh, en, en 2022 voilà il n'y a pas que il n'y a pas que l'histoire politique il n'y a pas que l'histoire géopolitique il y a aussi euh, euh, l'histoire, le privé, l'histoire personnelle que peuvent parfois raconter avec force euh, les photographes de Magnum. Ben, ça y est, un beau euh, résumé de, de, de ce qu'est Magnum ou de ce qu'a été et ce qui est toujours Magnum euh, en, en 2022. Merci beaucoup, euh, Philippe Séclier, de, de nous avoir accordé euh, ce temps. Merci à vous. Alors, ce Philippe Séclier, il a plusieurs casquettes, hein. il pilote aussi une belle collection de livres et c'est un proche collaborateur de Raymond Depardon. Oui, proche collaborateur de Raymond Depardon. Et il y a un livre qui est en préparation euh, d'ici la fin d'année aux éditions, pareil, un hein, atelier EXB, donc anciennement euh, donc créé par Xavier Barral. Ça s'annonce assez passionnant parce qu'il s'agira d'étudier les périodes entre deux voyages, de, de pardon en fait, de pardon va raconter ce qu'il faisait photographiquement parlant entre ce deux il fait euh, quand il fait rien. grands voyages ouais, ouais, <laughs> dans, dans les années 80, où il était euh, il était partout euh, sauf euh, chez lui quoi. Donc il va raconter un petit peu ce qui se passait et je pense que là on peut on peut lui faire confiance avec tout le recul euh, qu'il a pris depuis euh, et, et le temps un petit peu plus lent pour prendre le temps de, de raconter tout ça et ça s'annonce passionnant et aussi, Philippe Séclier est le directeur de la collection euh, qui s'appelle Des Oiseaux, aux ateliers XB aussi. Et Il faut mentionner la sortie du dernier opus qui met à l'honneur les images de Roger Baleine, euh, qui est, qui est assez, assez original. Et surtout, lisez les préfaces de Guilhem Le Safre, qui est un ornithologue, administrateur de la Ligue de protection des oiseaux, et qui à chaque, euh, chaque opus signe des préfaces assez euh, extraordinaires. Wilfried, toi en tant que, que fondateur de l'agence Hans Lucas, ça représente quoi Magnum pour toi Alors, euh, ça présente un gros repère. Euh, c'est bon, un gros repère en tant que photographe c'est la, la, la reconnaissance ferme. C'est des gens qui font partie de la reconnaissance du, du droit d'auteur, euh, le, le fait aussi d'interdire le recadrage, euh, vraiment une affirmation de, de ce qu'est un auteur photographe. Euh, ensuite, évidemment, c'est une structure qui a rassemblé énormément de, 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 de photographes qui ont été précurseurs, qui sont des... Des, euh, des, 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 fin, des, des gens euh, qui, qui, pour moi, ont fait aussi que euh, je suis passé par euh, la, la case de devenir photographe. Euh, moi, je me souviens de, de Kudelka, m'a assez marqué dans, dans son travail. Il y, y a un ensemble de, tra de, de travaux de lui, mais euh, fin, euh, ça part des Gitans, au, au DER, euh, jusqu'à ses à, à à, euh, derniers travaux euh, sur son travail. Oui, ouais, Ruin, qui, enfin voilà, c'est quelqu'un qui, qui est là. Euh, évidemment, après, je pourrais parler de peut-être un par un de, de ce qu'ils m'ont apporté, mais c'est une agence qui. C'est un, un gros repère. Et comment on fait pour entrer à Hans Lucas Ça se passe comment euh, ça se passe par euh, un, un email, euh, sauf si je connais la personne ou si la personne me connaît et, et passe, enfin m'arrête me, me, sur un festival euh, euh, en fait moi je considère trois choses c'est le, le, le regard photographique euh, euh, ensuite le, la partie relationnelle parce qu'en tout cas c'est un écosystème donc on va être là vraiment sur euh, est-ce que la personne est euh, dans l'échange dans la rencontre euh, vraiment l'échange et la, 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 la conversation dans nos groupes elle est très importante euh, donc ça c'est aussi important que. Et puis après, le projet professionnel en plus de la signature photo. Donc c'est vraiment ces trois choses la partie relationnelle, le projet professionnel et la signature photographique. Combien vous êtes de, de photographes en Lucas maintenant euh, Aujourd'hui, on est 800 dans 60 pays. Ah ouais, oh. c'est colossal ah ouais, <laughs> Ouais, mais cool, pour, pour moi, en, en tout cas, c'est vraiment un outil. Euh, c'est un outil qu'on développe sans cesse. Ensuite, il euh, y, y a beaucoup de Français qui, qui viennent. Enfin, moi, j'ai entre 80 et 120 euh, demandes par mois, en fait, de candidature. J'en prends 7 au maximum, donc euh, je crée beaucoup de, de, fin, de, de, de mécontentement. Euh, ensuite, c'est quelque chose qui aurait pu être beaucoup plus important euh, si j'avais euh, plus ouvert les vannes, comme on pourrait mmh. dire, mais euh, non, euh, moi, je prends maximum sept euh, photographes par mois. Il euh, y a des mois où j'en prends, euh, prends un euh, ou pas du tout, ou alors 3-4. Et ensuite, il ensuite, y a quand même... Aujourd'hui, on est dans un monde... Euh, c est, c est, la diffusion, elle, elle est mondiale. Et les gens qui viennent à moi sont des gens qui sont dans tous les pays. Euh, J'ai autant de personnes euh, de Bolivie, d'Argentine, je que, ne que, bon, suis pas trop de Chinois, mais des Indiens, Afghanistan... Euh, j'ai de tout qui vient à moi. Donc, euh, ce n'est pas une vision euh, française, franco-française. On est vraiment sur quelque chose de l'ordre mondial. Et moi, je fais avec cette, euh, cette, cette impulsion qu'a donné le, le web. Le web, ce n'est pas que des, euh, des, des inconvénients, il y a aussi des avantages. Et, euh, et voilà, ça multiplie les, les, les propositions d'entrée de candidature. Benjamin, si j'ai bien compris, on n'a qu'un extrait de cet entretien. Euh, dans la republication, on va avoir quelque chose de plus conséquent. Pour ceux que ça intéresse, vous pourrez écouter une version longue dans la republication le mardi 25 octobre, où on aborde notamment avec Philippe Séclier la place des femmes au sein de l'agence et l'écriture qui est de plus en plus personnelle au sein des, des jeunes générations de photographes de l'agence merci une fois de plus Benjamin pour cette, pour cette très belle story.